Elle n'est jamais rentrée. Effectuait son jogging samedi matin. Soir de la disparition, il aurait aperçu la jeune fille en compagnie d'un inconnu. J'espère qu'elle est blessée. Disparition qui reste troublante sur de nombreux aspects. La jeune fille a en effet quitté le domicile de sa mère en pleine nuit, sans argent, sans vêtements, mais aussi sans son téléphone portable. On dit des plongeurs ont fouillé la zone. Aujourd'hui, le meurtrier présumé marqué l'arrêt. Un jeune homme d'à peine 16 ans. La police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. On cherche dans le quartier de Strasbourg. On ne puisse pas se déplacer et c'est ça qui m'empêche de bouger. C'est quoi? C'est que j'ai pas des nouvelles. Alors que jusqu'à 9h, ça ne fait pas un jogging qui dure actuellement 40 minutes. Ce mari a alerté les secours à 12h25. C'est un voisin de... J'espère qu'elle est en vie. Faites revenir, s'il vous plaît. Polarisé dans le même lycée que la victime, recherché pendant près de 3 mois. Trois mois de battue et de suspicion dans la commune, 2600 habitants. De sa disparition à portail de lieu sport, short noir, gilet rouge, basket rose. Un avis de recherche pour disparition inquiétante a été lancé par la gendarmerie de Haute-Saône. C'est un nouveau drame qui commence pour les familles. Plus d'un mois après sa disparition, les gendarmes avaient retrouvé le corps de l'adolescente dans un fossé rempli d'eau, camouflé par des branchages. L'hypothèse de l'asphyxie est d'abord privilégiée et des coups de couteau ont été relevés lors de l'autopsie. Cette information était jusqu'ici tenue secrète. Mais l'arme est en possession des enquêteurs, c'est elle qui leur a permis de remonter la piste de l'adolescent. Un jeune homme d'à peine 16 ans... La police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. On cherche dans le quartier de Strasbourg. C'est ce que j'espère. Dit de son domicile vers 9h samedi matin pour un jogging. Alors que jusqu'à 14 ans, les recherches du son mari à l'approche pour à 10h25. Depuis ça, il dit, on trouve le temps très très long. C'est un voisin de... C'est ce qui empêche de bouger. Revenir, s'il vous plaît. Matin et n'a pu être géolocalisé. Au moment de sa disparition, polarisé dans le même lycée que la victime, recherché pendant près de 3 mois. 3 mois de battue et de suspicion dans la commune de 1600 habitants. Volgarde. Drame qui commence pour... Alors que jusqu'à présent, un mois après sa disparition, les gendarmes avaient retrouvé le corps de l'adolescente dans un fossé rempli d'eau, camouflé par des branchages. L'hypothèse de l'asphyxie est d'abord privilégiée. Mais des coups de couteau ont été relevés lors de l'autopsie. Cette information était jusqu'ici tenue secrète. Mais là...